est lancée. Une semaine pour reconquérir le Nayala. L'opération est préparée discrètement pour surprendre les groupes armés terroristes qui écument la zone. La bataille de la ville de Gassan se mène sur terre et dans les airs. Son nom de baptême, Kapidougou en moré, la ruche en français. C'est une opération conjointe Burkina-Mali. D'un côté, le Burkina dans sa partie ouest, la boucle du Mukun, et de l'autre, le Mali à l'est, dans la région frontalière de Ségou. L'objectif est de prendre en sandwich les groupes armés terroristes qui écument les deux frontières. Il s'agit là de la deuxième phase de l'opération Kapidougou. Elle concerne la zone de Gassan, Touga, Touma, Léry dans la vallée du Sourou. Côté Burkina, les forces engagées. Le 5e BIR, le bataillon d'intervention rapide. Le 23e RIC de Dédougou, le régiment d'infanterie commando. Un bataillon mixte de marche composé de soldats et de volontaires pour la défense de la patrie. Une compagnie de marche et le vecteur aérien en attente. En tout, plus de 800 combattants sont mobilisés. Effectif et puissance de feu impressionnant. Même l'artillerie lourde est mise à contribution. Depuis la base du 23e RIC, les canons sont dirigés sur des bases ennemies repérées à l'avance. Des bases de 60 à 100 combattants. Les artilleurs sont à la manœuvre. Les réglages se font à l'ancienne pour mieux ajuster les tirs. Les coordonnées géographiques, la vitesse du vent et sa direction sont des facteurs déterminants pour des tirs à distance. Il faut désorganiser l'ennemi avant d'engager les fantassins au sol en première ligne. Quelques minutes de réglage, les lance-roquettes multiples sont en état de cracher le feu. Une salve de roquettes larguée sur des bases terroristes de 30 à 40 km de là. La colonne entame sa progression. Direction Gassan, ville désertée depuis janvier. L'axe de Dougou-Gassan est bitumé, mais les combattants veulent contrôler la zone. Les éléments à moto se projettent à plus de 5 km de la route de part et d'autre. La colonne des véhicules reste sur l'axe et s'étire sur des kilomètres. Le capitaine est le patron des opérations. Les hommes l'appellent affectueusement Lion. C'est son nom de guerre. Aujourd'hui, nous avons comme mission rentrer Karma dans la forêt. Voilà. Chercher l'ennemi. Pendant l'opération, c'est surtout les missions de reconnaissance et de contrôle des zones et aider certains villages à installer des amis. À une trentaine de kilomètres de progression, Douroula, la première commune après Dédougou. Une ville fantôme. Les habitants sont déguerpis par les terroristes.
aucune présence humaine. Dans le ratissage, trois combattants terroristes sont appréhendés à 6 km de la route. Revenez en arrière. La zone est hostile. Le capitaine nous retient sur l'axe. Vous ne verrez donc pas les images, mais les coups de feu sont audibles. On rentre un peu en profondeur à quelques kilomètres aux abords de l'axe en vue de rechercher l'ennemi. Si certaines bases ennemies. On n'a pas reçu de contact de goût jusqu'à ici. La colonne reprend sa progression. Après 2 heures de route, Gassan, ville martyre. Gassan est déserte depuis janvier 2003. Ici, il n'y a que des animaux pour animer la ville. Les habitats et les biens sont abandonnés à cause de la cruauté des terroristes. Les commerces sont pillés les uns après les autres. Aucune boutique n'a encore de porte. Elles sont toutes défoncées et vidées de l'essentiel. Paysage vide d'emblée conquis, mais le capitaine Lyon ordonne un grand ratissage avant d'y prendre son quartier général. Les zones sensibles sont checkées comme ici à la station. Des bouteilles de gaz vides, parfois chargées, abandonnées sous l'effet de la terreur. Des bouteilles à sécuriser, car elles peuvent servir dans la fabrication des bombes artisanales, l'arme privilégiée des terroristes aux abois. À la sortie est, le vecteur aérien détecte une présence humaine. Un homme sur un tricycle chargé de marchandises dans une ville sans habitants. Très suspect. Il est appréhendé. Effet de panique ou comportement suspect, l'individu donne plusieurs versions en 10 minutes d'audition. Il est remis à la police pour des enquêtes plus approfondies. La première nuit se passe ici. Le dispositif sécuritaire est établi par le lieutenant Panthère, le second du capitaine. Nous sommes affectés dans le groupe du capitaine. Chacun prépare sa tranchée de fortune. La nôtre, juste celle du capitaine. Une si longue nuit en plein air. Un manteau d'obscurité là-bas sur le site, mais les lumières, même celles des téléphones, sont interdites. Chacun parle dans sa barbe pour éviter de se faire repérer par l'ennemi. Toute consigne suivie, la nuit a été calme. Le soleil se lève sur Gassan dans le Nayala. Les combattants de l'opération Capitgou marchent sur la commune tombée dans les mains de l'ennemi depuis janvier. Deuxième jour à Gassan. La ville est reconquise, mais il faut aller au-delà de ses frontières. L'objectif du capitaine Lyon, c'est de ratisser à plus de 10 km de la ville. Les consignes sont données ce matin au rassemblement. La solution, c'est la patrouille à pied. Chaque unité prend la direction de la zone à elle affectée. Nous suivons le cinquième bir qui
qui doit manœuvrer sur le secteur est. 10 km à pied en aller-retour à travers la brousse. La mission au niveau de Gassan, c'est sécuriser voilà, la ville de Gassan. Et la sécurisation consiste à faire des patrouilles tout autour de la ville de Gassan, à savoir aller au-delà de, voilà, d'une dizaine de kilomètres pour s'assurer que la ville est safe. Nous sommes couverts par les éléments à moto en arrière-plan. Nous devons marcher sur les pas d'un soldat affectueusement appelé Boïka. Sécuriser le village de Gassan pour permettre à la population de regagner leur village respectif. C'est une opération de ratissage en temps réel. Déjà, à 1 km dans la forêt, un tricycle abandonné. Un indice à prendre au sérieux, car le véhicule peut être piégé. Après contrôle, RAS. Nous reprenons la manœuvre. L'arme au point, les combattants déferlent sur la brousse en faisant attention à tout. Les traces au sol, sur les arbres, généralement dans le coin un peu touffu. Un peu plus haut, des traces de moto et de vélo aperçues. Pourtant, la ville et ses environs sont inhabités depuis janvier dernier. Halte! Toujours halte! C'est quel flanc? Flanc Golf ou flanc Delta? Flanc Golf. Trace de moto, toute fraîche. On a eu le renseignement sur certaines bases ennemies. On fait des reconnaissances pour pouvoir les neutraliser. Communiquez là-bas. Généralement, c'est les éléments guetteurs qui s'approchent de nos positions pour voir avant de pouvoir se renseigner. Mais comment ça, vous êtes en train de les rechercher comme ça? Ouais, on est en train de les rechercher à mesure de les neutraliser et tout. Deuxième indice de présence d'ennemis. Il n'est pas loin. Il faut alors redoubler de vigilance. Dans les feuillages, un soldat signale une silhouette juste à notre hauteur. Hey, les gars, ouvrez un peu. L'arbre est où? Hein? Il s'agit d'un individu à moto qui s'approche délicatement de la base. Il constate le danger et prend la fuite. Et par ailleurs, on a besoin d'un élément motard. C'est un individu. Il est en train de partir. Et il est vers quel côté? Et tout droit devant nous, tout droit devant nous. Le guetteur terroriste est débusqué et s'engage une course-poursuite en pleine brousse. Les combattants ne reculent devant rien. Au bout d'un kilomètre de chasse, il est encerclé et neutralisé. Il était vêtu de tenue militaire, terre du Burkina. Bon, on a aperçu un guetteur. On a poursuivi pour le neutraliser. Vous l'avez vu?
On l'a eu. Il est à quel niveau? Il est avec les éléments motards. Ils ont toujours fui le contact. Ils ont toujours fui le contact. C'est des éléments, ils aiment s'amuser. Juste pour pouvoir faire des types d'harcèlement ou bien pour les aider. Sinon, attaque frontale, ils ont toujours eu peur. Dans l'effectif du 5e BIR, il y a aussi des volontaires pour la défense de la patrie qui sont à leur toute première opération pour certains. C'est le cas de Tenderbert, un nom de guerre. Je suis un VDP national. C'est ma première sortie sur le terrain. Je dirais que j'étais enthousiasmé, très engagé à descendre sur le terrain pour la reconquête de notre territoire. Et j'ai vu ça avec joie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes fiers d'être à Gassan pour enfin de reconquérir la grande commune de Gassan et réinstaller la population de Gassan. De Dougou à Gassan, nous n'avons pas eu de contact en tant que tel, mais l'ennemi avait installé des guetteurs qui étaient prêts à renseigner sur le nombre et le dispositif que nous avons en place afin de venir nous attaquer ou nous tendre une embuscade. Donc, ces guetteurs ont été neutralisés. 5 km bouclés, il nous faut autant de kilomètres pour rejoindre la base. C'est ainsi les manœuvres qui doivent gagner 5 km de plus par jour. Oui, on a vu des présences humaines dans la zone. Et c'est des gâtes, parce que tous les villageois sont partis. On a vu des traces de véhicules, de motos et de vélos. Généralement, les traces de vélos, c'est des éléments guetteurs qui s'approchent de la base. Tout silencieux pour pouvoir bien déceler nos positions. Et pour les éléments motards, moi c'est les éléments armés qui s'approchent pour pouvoir neutraliser quelques individus et puis repartir. Les véhicules, généralement, ils utilisent ça pour leur appui lors des attaques. Les véhicules sont montés des armes lourdes. Ils s'approchent suffisamment de la base pour pouvoir mettre le feu comme ils veulent. Après quelques jours de contrôle de zone, le capitaine Lyon se fixe un autre défi. Affronter le redoutable axe Gassan Lamfiera Léry, sanctuaire terroriste depuis près de 2 ans. Les combattants de l'opération Capedougou décident alors d'aller à une nouvelle reconquête. Une autre configuration à la hauteur de la menace se met en place. Car Gassan Lamfiera Léry est considéré comme l'axe de tous les dangers. À tout Zulu, respecter les intervalles, respecter les distances. L'ennemi a eu le temps de le saboter à souhait. Le capitaine Lyon en a conscience. C'est un axe qui probablement est miné, donc nous allons manœuvrer en sûreté. Donc en quelque sorte, en plus simple, voilà, nous allons rentrer dans les forêts, chercher l'ennemi. Voilà, donc nous allons marcher, checker, avant de continuer. Le plan de la manœuvre est adopté. Les éléments à moto à l'offensive à travers la forêt très dense. Ils sont couverts par des blindés évoluant sur l'axe et l'hélicoptère dans sa patrouille aérienne. Les 5 premiers kilomètres de grâce. Pas d'incident de route. Mais en profondeur de la forêt, l'hélicoptère neutralise un premier espion qui prenait des informations sur le convoi. À 10 km de marche, nous sommes à l'entrée du village de Soro. C'est le début des difficultés. La lourde se réduit.
il faut checker la route avant d'avancer. En 5 heures, nous gagnons seulement 10 km, soit 2 km à l'heure. À l'entrée du village, les démineurs découvrent un engin explosif enfoui dans le sol sans aucun indice à l'œil nu. Un dispositif nécessaire au traitement du danger se met en place. Sonda, le chef des mineurs, articule son équipe. L'équipement se déploie avec délicatesse. C'est la mission la plus périlleuse. Une détonation incontrôlée serait fatale pour les démineurs projetés dans l'épicentre du danger. Mais jusque-là, tout se passe bien. Donc c'est ça, il est à l'entrée de leur bureau. Alphare ici. Avec quelques trucs pour pouvoir faire leur bêtise. Donc c'est ça qui sort, qui frappe les gens. Oui, c'est le débris ça comme ça. Les équipes à moto procèdent à la perquisition du village. Les populations sont déguerpies. Les lieux sont occupés par quelques hommes et une seule femme. Tous sont suspects, mais la consigne du capitaine est claire. N'avoir affaire qu'à l'ennemi armé et engagé. Parmi ces populations visiblement étrangères, 4 sont interceptés en train de ranger des armes. Ils sont neutralisés et la cache d'armes détruite. Nous reprenons la progression. Ici, chaque pas est une épreuve aussi bien pour les hommes que pour les engins. Sonda et son équipe caressent la chaussée pour nous permettre d'avancer. Le soleil est à son zénith. Les moucherons chantent dans les oreilles et les mines sont lésions. Une deuxième mine est détectée à la sortie du village. Le désamorçage se fait encore sans difficulté. Ça, c'est un bidon de 5 litres. Petit bidon à café, tout ça là comme ça. Ouais. Un peu plus loin, un deuxième village sous contrôle terroriste, Kota. Ici, 9 terroristes sont neutralisés. Et l'équipe de Sonda désamorce à nouveau une mine. On savait que ça n'allait pas être simple. Parce que sur une distance de 5 km, on a détruit plusieurs mines. Donc on savait que ça n'allait pas être facile. Je souhaite que les jours à venir, que la population revienne pour qu'ensemble, on puisse contribuer à éradiquer ce fléau. Pour les combattants, chacun a un surnom de guerre qui réveille sa rage de vaincre. Nous nous souvenons encore de Lion, Panthère, Sonda, Vautour, Crapaud, Tenderbert et surtout Boyka, commis à notre sécurité tout le long du ratissage.
Mission accomplie pour le capitaine Lyon à cette étape du Nayala et du Sourou. L'opération Kapedougou phase 2 a permis de neutraliser 18 terroristes, d'ouvrir des axes et de réinstaller des unités armées. Une tache noire au cours de l'opération. Dans les rangs du Goumi, le groupement des unités mobiles d'intervention de la police nationale, nous perdons un combattant. Le policier saute sur une mine en plein cœur de Gassan. Le cratère et les épaves de sa moto montrent la gravité du choc. Repose en paix, cher combattant.